Madame, Monsieur, bienvenue. Réflexion, c'est l'occasion aujourd'hui de rencontrer le destin d'une femme du XXe siècle. Elisabeth Félix, bonjour. Bonjour Serge. Vous venez de publier un livre chez Labor et Fides à Genève, un livre qui s'intitule « Cris d'espérance, témoignage sous les tumultes de l'histoire et de la maladie ». C'est important, la publication pour vous d'un tel ouvrage ? Cette publication m'a été demandée. Donc, au fond, j'avais longtemps hésité de l'écrire et je l'ai gardé 2 ans sur mon bureau parce que j'étais pris de panique, d'inquiétude et de doute par rapport à son intérêt. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'au travers d'une telle rédaction, vous avez transmis quelque chose d'essentiel de votre propre existence ? Peut-être inconsciemment. Et je les réalise maintenant dans l'après-coup parce que, au fond, ce livre est sorti en octobre 2002 et 2003 fut déclaré par l'UNESCO l'année de la personne handicapée. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages et j'étais très émue des parents d'enfants handicapés, des personnes paraplégiques, des malvoyants. D'ailleurs, entre-temps, il y a même un CD qui est sorti, qui est lu par une comédienne. Et avec ça des extraits de votre livre. Le livre entier. Le livre entier. Et ça me touche beaucoup. Parce qu'en fait, s'il faut un peu parler de votre propre existence, il y a 2 tragédies qui vous marquent de manière très, très forte. C'est tout d'abord votre enfance. Vous êtes suisse, mais vous êtes née en Pologne. Oui, c'est vrai, je suis née à Lodz, à quelques mètres du ghetto. Donc, ce n'était pas très loin de Varsovie, c'est ça ? Non. Lodz, il y a 2 grands ghettos. Et le premier qui fut construit, c'était celui de Lodz, et seulement après à Varsovie. Beaucoup de gens ignorent ça. Lodz, c'est une ville avec passé 1 million d'habitants. Et c'était plutôt un ghetto de triage. Et ça, c'était donc dans les années 30, vous avez grandi à Lodz, et puis arrive la Seconde Guerre mondiale, et là, vous êtes jeté sur les routes de l'Europe centrale. Pas tout de suite, parce qu'au fond, j'avais 6 ans quand le ghetto fut construit, et quand je l'ai traversé tout le jour en tram pour aller à l'autre côté, pour aller à l'école. Et c'est là où j'ai pris conscience, enfant déjà, de l'horreur qui s'est passée là-bas, parce qu'au fond, le problème de ces ghettos fut son surpeuplement. Les gens qui vivaient étaient déversés quotidiennement par des trains qui arrivaient de toute l'Europe, et ils étaient privés de nourriture, des soins d'hygiène, de l'essentiel, même de l'eau potable, donc il y avait des épidémies. Je ne sais pas si les gens sont conscients qu'un juif n'avait pas droit à l'éducation ni accès à l'économie. Donc la situation était catastrophique. Alors moi, Vous avez assisté en tant qu'enfant à ça. Oui, j'ai des images dans ma tête très fort de cette période. Alors je vous propose de voir quelques images pour nous permettre à nous, personnes qui avons vécu après, de prendre conscience de ce qu'a été la vie dans le ghetto et la vie durant la Seconde Guerre mondiale. Thank you.
Elisabeth Félix, lorsque vous revoyez de telles images, ces images de guerre, ces images difficiles, est-ce que vous arrivez à les regarder avec un peu de distance, avec peut-être un peu de sérénité? Oui, aujourd'hui, oui. Je pense, grâce à cette possibilité que j'ai pu apprivoiser ce passé qui me tourmentait, j'ai pu faire une relecture. Donc aujourd'hui, je suis sereine. Mais c'est vrai, ce sont des choses qui sont dans ma tête et je les évite. Donc vous, est-ce qu'on pourrait dire que vous les fuyez quelque part parce que finalement, ça vous plongerait dans un état proche de la dépression? Non. Je crois plutôt que je prends conscience de la chance extraordinaire que j'avais moi, parce que je suis spectateur de cette mort. Et quelque part, je n'ai jamais été une condamnée à mort. Donc, pour moi, la situation, là, il y a une énorme différence. Pour nous, pour ma famille, d'abord, nos proches nous ont tous survécu à cette guerre. Et pour nous, l'horreur a commencé plutôt avec le soulèvement en 1944 et puis après avec l'exode. Oui, parce qu'en 1945, vous devez quitter Lodz et fuir vers l'ouest. Voilà. Et je crois qu'on oublie que ça a été le plus grand déplacement des masses humaines qu'on a jamais connu, parce qu'aujourd'hui, les CICR parlent des 15 millions de personnes qui sont en fuite devant l'armée rouge. Et 2 millions n'ont jamais atteint l'autre côté. Mais concrètement, pour nous permettre de comprendre un peu ce qui se passait à l'époque, pourquoi est-ce que votre famille a comme ça fui et s'est tournée vers l'ouest? Alors, c'est un tout petit peu, comment vous dire, la situation personnelle, notre statut qui était très ambigu. Parce que d'abord, mon père était théologien, protestant, luthérien, alors que l'Église était persécutée. En plus, il était d'origine allemande, mais sa famille avait immigré en Russie en 1800. Et il a épousé une femme qui était russe. Et les deux familles se sont établies au moment de la révolution bolchevique, comme on disait, pour sauver leur vie et leurs biens en Pologne. Donc, au moment de la guerre, les ennemis, nous étions les ennemis des Allemands et des Soviétiques. Et puis pour les Polonais, on était les gens qui sont venus d'ailleurs, donc aussi suspects. Donc finalement, pour sauver votre vie et la vie de votre famille, vos parents ont dû quitter, tout laisser derrière eux pour rejoindre l'Allemagne. Oui, comme mon père dirigeait un grand hôpital, à un moment donné, après le soulèvement du ghetto, au moment où les Allemands, les troupes se sont retirées de la Russie et les blessés de guerre sont arrivés en Pologne, l'hôpital fut converti en hôpital militaire et mon père, comme il parlait l'allemand, ils avaient besoin de lui. Et ensuite, nous avons pu fuir, mais ils ont gardé mon père en otage. Et là, vous sillonnez l'Europe centrale dans un contexte tout à fait effroyable, avec des bombardements, avec des règlements de compte, avec des centaines de morts, on peut imaginer à ce moment-là. Oui, je pense que ce qui fut fatal, que finalement, pour atteindre l'Ouest, il fallait traverser les lignes de combat. Et quelque part, l'Exode était placé au milieu de la bataille, parce qu'il y avait les divisions qui descendent du nord de la Baltique, et puis donc russes. D'abord, il y avait la retraite de l'armée allemande, mais les Russes qui montaient du sud, du Balkan, pardon. Et il y avait donc des divisions, c'était cette grande offensive que les Soviétiques, c'est encore l'armée rouge, ce n'était pas encore les Soviétiques qui l'avaient lancée. Ils avaient attendu le gros froid parce que c'est un hiver particulièrement froid. Je me souviens, en tout cas on nous l'a toujours dit, que les températures étaient descendues à moins 20, moins 25, moins 30. Les grands fleuves comme la Vistule, l'Oder et Neisse avait été gelé d'une profondeur de 1 mètre. Et moi, je me souviens de certaines images qui étaient tragiques parce que forcément, par les explosions des obus, il y avait
des trous qui étaient creusés dans les fleuves. Et puis, ils étaient devenus des autoroutes sur lesquelles les colonnes des chars blindés et de l'artillerie lourde se déplaçaient. Et forcément, par cette interminable déplacement, il y avait des morcellements, des festus. Et puis alors, il y avait beaucoup de morts noyés, il y avait des charrettes qui renversaient, qui disparaissaient sous nos yeux dans l'eau. C'est vrai qu'on peut imaginer qu'en tant que petite fille, traverser une telle Europe, ça a dû être tout à fait dévastateur pour vous. Peut-être sur le moment, mais je crois là encore, moi je dirais que c'était constructif. Aujourd'hui, j'ai l'impression... C'est la lecture que vous faites. Oui, c'est la lecture que j'ai faite. Et en quoi, finalement, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire qu'au travers de cette tragédie, vous avez pu vous construire vous-même, vous avez pu, quelque part, développer toute une énergie tout à fait extraordinaire que l'on vous connaît par ailleurs? Pour moi, je regarde ce passé, mon enfance, cette vie difficile comme une chance colossale. Parce que cette vie m'a appris à me battre, à vouloir vaincre, à m'assumer et à me prendre en main. Et quelque part, de me sentir responsable de moi-même. Alors que c'est peut-être peu compréhensif dans notre société des facilités matérielles, mais aussi, je dirais, dans cette concurrence et cette compétition effroyante qu'on se livre, j'ai appris à me battre, à prendre ma place. Et ça, c'est important. Et là, c'est un apprentissage qui vous a servi pour une autre des tragédies qui marquent votre vie, un accident qui rendra votre fils polyhandicapé. Certainement. Certainement, aujourd'hui, je serai tentée de dire que cette première partie m'a préparée à la deuxième. Alors aujourd'hui, Elisabeth Félix, vous avez l'occasion de donner des conférences, d'intervenir dans toutes sortes de cercles pour parler de votre expérience. Je vous propose quelques images qui vont nous permettre de voir un peu ce que vous faites concrètement. Ce matin, je ne veux pas parler des événements de l'époque. Je ne veux non plus pas raconter ma vie. Mais j'aimerais plutôt parler du parcours, de mon chemin parcouru depuis. J'aimerais vous dire qu'est-ce qui m'a permis de me relever et de rester debout. J'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur. J'avais des parents qui étaient profondément croyants. Et je crois que c'est la vie intérieure, la foi de mes parents qui nous a protégés et préservés de la destruction, du désespoir et de l'angoisse à l'époque. Cette foi m'a jamais quittée. Et aujourd'hui, je sais que la guérison, ce processus a quelque chose à voir avec notre façon de réagir, avec la foi, la confiance dans la vie, mais qu'il y a aussi dans ce processus de guérison une part humaine à assumer. Et j'aimerais vous parler des découvertes que j'ai faites qui m'ont aidée à me relever. Elisabeth Félix, on vient de vous voir lors d'une intervention que vous avez donnée à Yverdon-les-Bains il y a de ça quelque temps. Concrètement, pour essayer un peu d'approfondir ce que vous dites là, comment vous-même, votre foi, vous a permis au fil des années de surmonter votre malheur, de surmonter un certain désespoir peut-être qui vous a habité à certains moments de votre existence? C'est peut-être important de dire que longtemps, la société a nié les faits. Elle les a minimisés, elle les a manipulés. Donc, nier les faits en relation avec la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors, on n'en a pas du tout parlé. C'était un peu tabou. Oui, c'était un tabou. Alors, les victimes n'avaient pas d'autre possibilité que se taire. Et je pense moi aussi. D'autre part, j'étais tellement pris dans la vie que, quelque part, j'ai tout refoulé. Et c'est peu à peu que les choses sont ressuscitées.
comme beaucoup de personnes qui ont vécu des choses telles que je les ai vécues, qui ont connu des drames, qui ont bouleversé et brisé des vies, ils se sentent souvent engagés dans quelque chose, dans une tâche humaniste. Et moi, j'ai coaché quand même pendant 20 ans des personnes atteintes du cancer en fin de vie et des sidéens. Et je crois que c'est là, à travers ces cheminements avec la personne malade, que je me suis guérie moi-même aussi. Contrairement à ce que disent les psys, que tout est un peu, comment faut dire, que la personne doit retrouver en elle-même les choses. J'ai constaté que la personne en fin de vie avait besoin qu'on lui donne des réponses, qu'on lui parle de ce qu'on a vécu soi-même. Et c'est dans ces échanges, dans quelque chose qui fait écho en nous, on a pu dialoguer. Et je crois que j'ai tellement accompagné des personnes et sans savoir, c'était mon chemin de guérison. Donc finalement, face à l'autre, et dans cette rencontre avec des personnes en fin de vie, vous entrez vous-même dans un processus de guérison. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que votre démarche de foi, tout au long de ces années, a représenté aussi un processus qui vous a permis de faire face au malheur dans un premier temps, et puis peut-être aussi de le surmonter? Je crois que les choses ne se sont pas passées comme ça, parce que finalement, comme tous les êtres humains, j'ai connu des hauts et des bas. C'est clair, avoir des parents croyants et de savoir que c'est finalement leur ouverture au monde et puis au spirituel qui nous a protégés, à un moment donné, il fallait faire mienne ses convictions. Et ça a été facile, ça? Parce qu'on peut imaginer que vous étiez né dans une famille justement très, très ancrée dans la foi et que peut-être ce n'était pas nécessaire pour vous personnellement de faire un tel pas. Alors justement, j'ai baigné tellement dans cette culture et j'avais acquis, grâce à leur expérience et à leur exemple, une confiance et construit une résilience que je ne peux pas vous dire à quelle heure et à quel moment j'ai pris conscience. Que vous deviez faire vôtre la confiance de vos parents, la confiance en Dieu qui les habitait. Je l'ai fait quelque part sans savoir, progressivement. Je crois que j'ai passé surtout par un stade où j'ai d'abord rejeté de certaines choses, surtout beaucoup des concepts évangéliques, et pour ensuite peut-être les réintégrer à ma façon, parce qu'ils ont mûri en moi, et puis l'expérience de la vie a fait ses preuves. Mais c'était quelque chose qui s'est fait lentement à travers le temps. Et je pense, j'ai toujours eu une certitude intellectuelle que Dieu existe. Mais à un moment donné, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus personnel. Je suis sûre que pendant des longues périodes, surtout pendant la maladie et après le drame de notre fils, mes prières étaient un cri au secours, peut-être même un déversement du trop plein d'angoisse. Mais aujourd'hui, je sais que... Oui, que Dieu était présent dans ma vie, qu'il m'a accompagnée et qu'il était là. Alors, ce n'est pas évident de confirmer ça. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la personne de Dieu, dans son visage, dans ces temps de détresse qui vous habitaient? Est-ce qu'il y a une dimension de Dieu qui vous a particulièrement rejointe et que vous vous êtes approprié pour quelque part surmonter la tragédie qui était la vôtre au travers de l'accident qui est intervenu à votre fils? C'était certainement un besoin et l'idée que c'est un Dieu qui aime et qui protège, d'abord. Donc, quelque part, je me sentais toujours en sécurité. Je ne pouvais à aucun moment imaginer que c'est lui qui fabrique le mal, que c'est lui qui veut. Ce n'est pas lui qui a produit le malheur et cette guerre, et ni cet accident de notre fils, non. Pour moi, c'était les circonstances. Quelque part, j'étais extrêmement lucide.
je vais vous décevoir, mais donc je n'ai pas vraiment un mérite. Quelque part, pour moi, c'était clair. Il y avait une sorte de conviction fondamentale qui vous habitait, et finalement, elle n'attendait qu'un moment, celui de se déployer pleinement et de vous permettre d'affronter les tragédies qui étaient les vôtres. Oui. C'est elle qui nous a protégés. C'est cette foi qui nous a protégés. Mais ça, je peux dire aujourd'hui, je ne pouvais pas les dire sur le moment, parce qu'on peut pas, on n'analyse pas ce qu'on ressent. D'ailleurs, il faut toujours les reculs. Alors, je vous propose de voir une nouvelle séquence d'images qui nous permettront de rebondir pour la suite de cet entretien. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la souffrance ? La souffrance, c'est quelque chose de pas évident, surtout quand c'est... Il y a des périodes comme ça où on peut souffrir, il y a des périodes qui ne sont pas faciles de la vie. La souffrance, ça peut être physique, ça peut, tout dépend de ce qu'on va entendre par là. C'est quelque chose qui fait mal, pas seulement au corps, mais aussi psychiquement, aussi, je pense. L'inégalité sociale. Dans quelle mesure ? C'est que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Oh là là, beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qu'il faut répondre. Tous les jours, on souffre pour des petites choses. Mais c'est tout, on souffre tous les jours, à tous les moments, presque. C'est sûr qu'il y a des gens qui souffrent physiquement parce qu'ils ont des problèmes physiques, mais c'est une partie de la souffrance, mais il y a aussi la souffrance morale. Est-ce que ça peut amener quelque chose de positif, la souffrance ? Souffrance, peut-être, oui. Ça peut, peut-être si on a fait une erreur ou quelque chose comme ça. Oui, c'est difficile à dire. Est-ce qu'on peut surmonter cette souffrance ? Volontiers. On peut surmonter avec beaucoup de volonté, et surtout de volonté. Et changer un peu notre tous les jours, parce que le stress de tous les jours, ça nous fait vraiment souffrir. Oui, je pense, mais il faudrait se retourner dans la foi. Bah, je pense qu'il faut être très fort dans le monde dans lequel on vit pour... Je pense que c'est difficile, disons, on ne nous donne pas toujours les bons exemples quand on regarde ce qui se passe. Et il faut avoir beaucoup de volonté, et pas seulement de la volonté, il faut aussi avoir de la chance. Si c'est peut-être de la maladie, ça peut être des médicaments, ça peut être, il y a peut-être d'autres possibilités. Il y a peut-être Dieu aussi, peut-être, qui peut faire quelque chose. Elisabeth Félix, on vient de voir différentes personnes qui se sont exprimées autour de la souffrance. Vous-même, vous avez dans vos écrits à plusieurs reprises énoncé un peu votre cheminement et quelques pistes qui intérieurement vous ont permis de surmonter les tragédies qui ont marqué votre vie. Alors, en quoi consistent ces différentes étapes par lesquelles il faudrait passer pour parvenir à surmonter un malheur ? Je dirais qu'il y a trois, mais je parle que pour moi. Pour moi, c'était extrêmement important de faire mémoire, de reconnaître mon mal subi, ma souffrance, que ma vie était ce qu'elle était, et finalement consentir, pas accepter, parce qu'on n'accepte jamais, mais consentir peut-être des bouts de lèvres que ça fait partie de mon trajet, et quelque part... ça m'a poussé en avant. C'était précisément ces moments difficiles qui m'ont construit. Donc reconnaître, consentir, ça a été facile pour vous de parvenir à cette reconnaissance, à ce consentement à donner par rapport au mal subi dont vous parlez ? Ou est-ce qu'il a fallu des années pour que vous y parveniez ? Oui, ça a pris des années. Ça a pris des années et ça exigeait tout un travail sur moi-même. Et ça demande aussi des personnes qui m'ont écoutée, des personnes qui m'ont accompagnée dans cette démarche. C'était très important. Et c'est seulement après cette reconnaissance et ce consentement qu'on peut finalement se réconcilier avec ce qu'on a vécu et puis aussi ce qu'on est et puis ce que sont les autres qui nous ont fait souffrir. Et là, concrètement, la présence du Christ, la présence de Jésus qui vient apporter le pardon a joué un rôle important pour vous ? Oui, certainement. Certainement, parce que pour moi, finalement, c'est ça le pardon. Mais...
il y a une petite subtilité personnelle que j'aimerais ajouter. Pour moi, il y a une démarche à faire. Ce n'est pas quelque chose qui... Il faut le désirer, ce pardon, cette réconciliation. Il faut avoir cette disponibilité intérieure de la recevoir. Et ce que les chrétiens appellent la grâce, c'est pour moi, finalement, arriver à ce consentement de dire « oui, c'est ma vie, c'est ce que je suis ». Et d'adhérer aux événements. Mais est-ce que c'est simplement une sorte d'acceptation ou bien est-ce que la présence du Christ vous permet de goûter à davantage? Certainement, elle nous permet de goûter à davantage. Mais ça, c'est tout une subtilité et ça, c'est très, très personnel. Donnez-nous un peu le goût de ce davantage. Il consiste en quoi, ce davantage qu'apporterait la personne de Jésus dans une trajectoire de vie comme la vôtre? Mais de justement voir toutes ces personnes mourir comme le Christ, dans la souffrance, et de voir leur courage, et de voir que finalement, tout à coup, ils ont compris quelque chose qui a transformé leur vie. Et ça, pour moi, c'est ça la grâce. Donc cette compréhension qui vous permet tout à coup de jeter un autre regard sur votre vie, un autre regard sur votre passé, et peut-être d'en tirer le meilleur. Et puis, elle a la source de ma relation, finalement, qui devient, comment faut dire, quotidienne, et puis qui est toujours à reconstruire, mais qui est une réalité. Donc, la réalité de la présence du Christ dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Oui. Elisabeth Félix, merci beaucoup d'avoir accepté de nous partager votre trajectoire de vie. Madame, Monsieur, j'espère que cette émission Réflexion vous aura intéressé et vous aura permis de goûter à cette possibilité qu'offre le Christ de guérir du malheur.